Yeah. Bonjour à toutes les amis, c'est Gine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 65e épisode de Clash of Aventure. Oui, déjà 65 épisodes, ça passe super vite. Du coup, on est là, HDV 11, je viens de remarquer juste à l'instant que j'avais une tour de sorcier qui était absolument pas max. Du coup, on va s'améliorer. J'ai oublié de la remettre à niveau, cette tour de sorcier, donc elle est là, on va l'améliorer directement. Sinon, à part ça, où on est, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amélioré le roi qui passe niveau 42, une T2 qui passe au niveau 4, enfin plutôt la deuxième T2 qui passe au niveau 4 pour la remettre à niveau. Après, je sais pas trop où j'ai avancé, peut-être un petit peu dans le laboratoire. En tout cas, on va continuer à s'améliorer des petites choses dans le laboratoire. Pourquoi pas s'améliorer le petit sort de gel? Écoutez, on va le faire directement. Let's go. On a plus beaucoup d'élixirs, ouais, je suis d'accord. Mais c'est pas grave, on a un petit bonus ici, on va le récupérer. Du coup, maintenant, on va farmer un petit peu avec l'élixir noir. On peut s'améliorer que l'arène, donc ça m'étonnerait qu'on puisse s'améliorer grand-chose. Mais en tout cas, l'objectif, ce serait pourquoi pas d'améliorer un petit camp militaire ou alors une petite, ou alors la caserne noire carrément pour pouvoir se débloquer les petits golems de glace. Ça peut être super cool. Ici, on a 7000 élixirs noirs. En vrai, j'avais pas vu, mais on a 7000 élixirs noirs. C'est une base un petit peu relou quand même. Est-ce qu'on va vraiment la taper? Écoutez, c'est quand même une base gratuite, entre guillemets. C'est une base qu'il faut attaquer. Donc, on va le faire. Déjà, on va pouvoir prendre l'HDV. Ça, on peut le prendre avec 3 sorts de foudre. Hop, et là-haut, on peut se prendre sûrement avec les héros et un peu de barbare devant. Voilà, on envoie la petite capa du grand gardien. On met un sort de zap, ça va changer les focus. Voilà, et en plus, on va pouvoir se prendre également les petits ballons qui sont contenus dans les petits bâtiments ici. Hop, d'ailleurs ici on pourra se prendre ça. Let's go, on a quasiment tout pris en soi niveau externe. En tout cas, on a tout pris, donc c'est tout bénef. On va se barrer directement. Let's go, et on enchaîne directement. Boum. Voilà, bon, le pass avance pas super vite. Là c'est pareil, on débloque le carton jaune. J'avance pas super vite, je me connecte assez peu souvent sur ce compte. Voilà, je joue assez peu en ce moment dans tous les cas, donc forcément ce compte ce n'est pas nécessairement ma plus grande priorité. J'essaye plus d'avancer sur l'HDV15 bien entendu. Ici on a un 500 000, on y reviendra sur ce 500 000, suivant ce qu'on trouve. Ok, on tombe directement sur 1 200 000, c'est deux fois plus. Voilà, donc on va l'attaquer directement. On va pouvoir se prendre pas mal en plus, vu qu'il a littéralement mis tout dehors. Il y a tout dehors. La réserve d'élixir noir, elle est dehors. Les réserves d'élixir sont dehors. Les réserves d'or sont dehors. Les mines extracteurs, c'est dehors. Tout est dehors. On va pouvoir tous prendre. Hop, ici, il nous reste une petite mine d'or qu'on va pouvoir prendre assez facilement. Maintenant, est-ce que les barbares vont pouvoir réussir à rentrer? Ce serait bien. On va mettre la capa directement du grand gardien. Ça va permettre de pouvoir faire rentrer, ouais. Hop, on va juste se mettre 300 de fou là-haut. Comme ça, l'arène, elle va redescendre. Ok, non, ils n'ont pas ouvert du tout. Ils n'ont pas ouvert. Ah, si, là, ils ont ouvert. Ok, on a un électro dans le château. Ça va être le bordel. Moi, je vous le dis, ça va être un bordel. Hop, allez, pète l'électro directement. Ok, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait l'aigle qui était focus sur l'arène. Mais c'est pas grave, écoutez. Hop, on enchaîne directement. Petite potion de puissance, on s'en fout. Hop, on enchaîne directement. On gemme. Voilà, on gemme. Une petite 5 gemmes, ça va. C'est pas super cher. Et écoutez, on repart directement. Let's go. Il y a beaucoup de vengeance apparemment. Il y a un petit 800 000 direct derrière. On va l'attaquer, un petit 800 000. Et 9000 élixirs noirs également. Et peut-être on va pouvoir s'améliorer notre train au final. Hein. Ou le grand gardien, on verra. On va s'améliorer sûrement un héros. Soit la reine, soit le grand gardien. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'on améliore deux trucs en or. Si on améliore le grand gardien, on va voir un petit peu. Là, on a pris combien? On a pris 400 000 à peu près. Donc ça va, c'est pas dégueulasse en vrai. C'est pas si dégueulasse que ça. On va pouvoir enchaîner dans tous les cas juste derrière. Hop, on a pris combien? 300-400 000, je dirais 350 000. Ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Hop, on regemme et on repart directement. Let's go. Hop, voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de vengeance. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, on enchaîne encore une fois. 1 million juste derrière, c'est nickel. Voilà, énormément de vengeance, énormément de ressources. Là, encore une fois, un petit 1 million qui va faire plaisir. On va pouvoir prendre pas mal. Bon, on a déjà quasiment tout pris. Hop, on va juste prendre les petites foreuses en plus. Là, ça va la prendre toute seule. Là, ça va la prendre toute seule aussi. Donc, c'est très bien. On va juste attendre un petit peu du coup que ça prenne le reste des bâtiments. Pourquoi pas aller chercher le 50% également. Notamment là-haut, regardez, on a les petits canons ici. Hop, tac, tac. Est-ce que ça a passé? Non, pas du tout. On va faire 48. Bon, c'est pas grave. Si on perd un petit peu de trophées, dans tous les cas, ce compte, c'est pas l'objectif, c'est pas de monter en trophée de fou. Hop, let's go. Ça, par contre, c'est super. Les petits minerais.
Et on enchaîne encore une fois. Tac, on était où? On était ici. Hop, on enchaîne encore une fois. Petit 500 000. Bon, cette fois-ci, on va pas attaquer 500 000 non plus. Hop, let's go. 1 million derrière. Parfait, on enchaîne. Ouais, on enchaîne directement. Tac, ici, on va juste. Ok, les barbares vont tourner. Du coup, j'en ai mis beaucoup trop par rapport à ce que je voulais faire. Hop, est-ce que. Voilà, là, ça va. Là, ça rentre. Hop, et ensuite, on envoie le reste en haut. Et sur le côté. Voilà, let's go, ça va faire plaisir. On va pas pouvoir prendre l'élixir d'or ici, mais on va pouvoir prendre pas mal de ressources. Et ça, c'est super bien. On a fait un petit défi en plus, donc c'est bénef. C'est tout bénef, écoutez. On a fait un petit défi, j'ai pas vu ce que c'était, mais au moins on va pouvoir regagner des petites gemmes. Peut-être détruire des aigles ou détruire je sais pas quoi. Ouais, est-ce qu'on a détruit un aigle? Peut-être, oui. Mais écoutez, ça fait plaisir. On a pris une foreuse également, on a fait le 50%. Donc écoutez, c'est tout bénef cette attaque. On a pris 875 000, on a le bonus et on récupère 150 gemmes. Ouais, c'est ça, on a détruit des aigles. Donc écoutez, c'est trop bien. Voilà, c'est super bien. Hop, on gemme directement. Voilà, notre petite gemme qu'on vient de gagner. Et bon, on les repère. Juste, c'est combien le grand gardien? C'est 3 millions, c'est pas si cher. C'est pas si cher, en vrai, on va peut-être pouvoir s'améliorer plus que le grand gardien. Sinon, écoutez, on a 5 millions. 5 millions, on peut déjà s'améliorer une petite tour de l'enfer. Au niveau 5, voilà directement la petite tour de l'enfer qui passe, qui continue à être améliorée dans tous les cas. Il faut continuer à l'améliorer. Et derrière, on retombe encore une fois sur 1 million. Voilà, on enchaîne directement. Il y a vraiment beaucoup trop de ressources. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie les vengeances à ce niveau-là. Là, certes, les vengeances peut-être HDV 14-15 ou plus en trophée, ça sert à rien. Mais à ce niveau-là, c'est une dinguerie. Comment il y a beaucoup trop de ressources? Regardez ce qu'on vient de tomber là. Depuis tout à l'heure, on a fait quoi? 3, 4, 5, 1 million peut-être? Ou en tout cas, 3, 4, 5 attaques au niveau des vengeances. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi les vengeances. Clairement, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Voilà, on a fait 50 et on a pris encore une fois 1 million. On a pris encore une fois 1 million. C'est beaucoup trop rapide. Le farm rentable aujourd'hui. Le farm très très rentable même. Le farm extrêmement rentable. Parce que là, on a enchaîné encore quoi? De vengeance. Allez, on va dire. Et regardez encore 921 000. 921 000. Bon là, est-ce qu'on va vraiment pouvoir rentrer? Pas trop. Pas trop, pas trop. Donc, est-ce que c'est rentable? Je pense que oui, quand même. Parce que là, ce qu'on va faire, on va pas faire les bourrins. On va pas faire les bourrins, on va faire les stratus. Hop, on va du coup poser un petit barbare sur chaque truc. Voilà, comme ça va pouvoir prendre tranquillement. Et ok, ici, normalement, on peut potentiellement aller chercher l'extracteur. On va voir, est-ce que ça va sur l'extracteur? Ouais, parfait, ça va sur l'extracteur. Bon, ça va sur le roi derrière, tout va bien. Casse-toi le roi, voilà le roi qui va se barrer, parfait, hop, on enchaîne, bam, let's go, et on a pris déjà beaucoup, on a pris déjà 600 000 et 400 000, voilà, c'est tout bénef, encore une fois, on s'est fait plaisir, et écoutez, on va enchaîner directement, hop, 8 petites gemmes du coup, et oui, 8 petites gemmes, c'est pas si cher que ça, hop, on était où? On était ici peut-être, non, ça on l'a déjà fait, ça on l'a déjà fait puisqu'on a la vengeance juste en dessous, donc là on a quoi, du 700 000. C'est pas intéressant, enfin c'est pas intéressant, on peut jouer mieux quoi, il y a 55 trophées également, ça n'a strictement aucun sens, je voudrais rush, je me mettrais trop bien, clairement, hop, tac, est-ce que je regarde trois fois le même village? Non, c'est bon, j'ai passé les villages que je regardais les mêmes, ok, bref, ok, là il n'y a plus l'air d'avoir grand chose, il n'y a plus l'air d'avoir grand chose, je ferme ma gueule, je la ferme, 1 million de Je ferme, je la ferme, je la ferme. Regardez-moi ce qu'on trouve encore une fois, 1 200 000. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On a déjà presque tout pris en 10 secondes. Ça n'a strictement aucun sens. Oui, je suis d'accord avec vous. Et en plus, regardez, il nous reste encore une mine d'or ici, qu'on n'a même pas pris, qu'on va même pas les prendre, vu qu'on n'a plus de sort de foudre. C'est une dinguerie, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les amis. C'est n'importe quoi, moi je vous le dis. Voilà. Allez, let's go. Ça va sûrement s'arrêter là. Ça va s'arrêter ici. Et regardez le nombre de ressources. Alors que je vous rappelle, on a déjà dépensé des ressources pour améliorer le sort de gel et la TDE. On vient déjà de regagner 4 millions en 2 minutes. Ça n'a strictement aucun sens. Hop. Mais ça nous fait plaisir. Voilà, ça nous fait plaisir. Allez, on va sûrement faire une dernière attaque. On va faire une dernière attaque. J'ai même pas été sur la vidéo, mais la vidéo pour vous dire, j'y joue pas trop en ce moment. Donc du coup, ça sert pas à grand chose. Honnêtement, je vous le dis qu'on aille sur la MDO. Elle avance pas fort. Clairement, elle avance pas fort. Donc ça sert un petit peu à rien. Ah, cette base est relou. Pourquoi pas l'attaquer si on n'a pas la dernière vengeance? Ok, vas-y. On va attaquer cette base. En plus, on a la reine.
Donc potentiellement on peut faire des trucs sympas. Par où attaquer, ça c'est une autre question. Je pense qu'on va attaquer par en haut. Tac, déjà on va détruire tout ça. Tac, et en fait il faudrait faire des petites ouvertures un petit peu partout. Hop, voilà, on va faire quelques petites ouvertures. Ici, on va se faire des ouvertures. Puis après on va envoyer des petits super barbares avec la reine. On va envoyer la reine avec. Hop, et on va s'envoyer des petites vagues de super barbares au fur et à mesure. Voilà. Comme ça va pouvoir progresser petit à petit dans le village. Parce que dans tous les cas, c'est un village. Les défenses sont déchargées, les T2 vous pouvez voir sont déchargées, l'aigle est déchargé, les archers sont déchargés. Donc on va pouvoir bien progresser dans cette base, potentiellement chercher un perf, on va voir ça. En tout cas, ça oui, on va se mettre sûrement très très bien ici, et ça va être cool. Ça va être cool, hop, l'HDV qui va tomber, également les dernières petites ressources qui vont tomber, donc ça c'est nickel. On se sera fait combien d'attaques? S'il y en a dans les commentaires qui ont compté le nombre d'attaques, bah dites-le dans les commentaires clairement, parce que là on s'est régalé, on a peut-être fait 7-8 attaques, enfin c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop. En tout cas là on s'est mis extrêmement bien. Est-ce qu'on va aller prendre les dernières ressources? Sûrement, parce qu'il reste clairement pas beaucoup de défense, et il nous reste toujours la reine à ne pas négliger, même si là elle se fait, ouais, là elle se fait shot par le canon et par la tour d'archer. Est-ce qu'on va pouvoir prendre au moins la dernière mine d'or? Bah, si la reine y va, oui, sinon non. Donc la réponse est non. Hop, on va se poser un sort de foot, comme ça on va gagner un petit peu plus de ressources. Et let's go, on va pouvoir s'arrêter ici. Du coup, il va manquer un ouvrier, parce que là, clairement, dans tous les cas, la deuxième T2, je peux pas l'améliorer. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va améliorer... Ah, ça c'est 7 500 000. Ah, ça c'est 7 500 000, j'ai quand même envie de l'améliorer, la caserne. J'ai quand même envie de l'améliorer, la petite caserne. Je sais qu'on peut améliorer ça aussi, ça c'est 3 500 000. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop, je ne sais que faire. Je ne sais que faire. Est-ce que j'ai encore des ressources ici? Non. Ça c'est 4 200 000. En vrai, les camps militaires vont m'être plus utiles. Donc je vais m'améliorer un camp militaire déjà. Et là, j'ai 3 300 000. Du coup, qu'est-ce que je vais améliorer? Je peux améliorer mon forgeron, je vais améliorer mon grand gardien. Je vais améliorer mon grand gardien au niveau 12. Je ne peux pas le faire. Donc je verrai ça prochainement. Vous inquiétez pas, dans tous les cas, je pense que ce compte-là, j'ai un peu de ressources pour pouvoir continuer. Je crois que j'ai même assez de ressources pour améliorer ma reine. Clairement, je vais pouvoir me faire plaisir. Juste ici, est-ce qu'on peut s'améliorer des choses? On peut s'améliorer plein de choses. C'est très bien, on va s'améliorer le gantelet. On va s'améliorer le petit gantelet, on peut s'améliorer la fiole, mais on va se garder les thunes pour s'améliorer le petit gantelet. Voilà, ça fait plaisir. En tout cas, les amis, j'espère que cet épisode 65 de Clash of Aventure vous aura plu. Un épisode peut-être un petit peu plus long, mais qui fait extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez aimé, des gros pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Pour ne pas rater les prochains épisodes et les prochaines vidéos sur Clash of Clans, n'hésitez pas également à commenter la vidéo, à la partager, à me suivre sur Thread, Twitter, Instagram, Discord et Twitch. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi, c'était GD. Et moi, je vous dis bye tout le monde.